Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Salut tout le monde, aujourd'hui un tuto facile sur une chanson de Stéphane Echer, Déjeuner en paix, c'est parti. Donc cette chanson de Stéphane Echer, Déjeuner en paix, normalement on devrait mettre un capot en case 2 pour avoir la tonalité d'origine, mais si parmi vous certains n'ont pas de capot, on va plutôt la jouer du coup sans capot. Ceux qui en ont un, bien sûr, vous pourrez après la travailler ou la jouer sur un backing track ou la chanter, etc. avec le capot en deuxième case, ok ? Donc nous, sans capot, quatre accords simples, La mineur, Fa majeur, Sol majeur, Mi majeur. La mineur, Fa majeur, Sol majeur, Mi majeur. Pour ce qui est de la rythmique, on va faire un truc un peu rock en palm mute. Alors palm mute, pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, c'est poser sa main sur le chevalet. Poser sa main sur le chevalet et aller s'approcher des cordes pour les étouffer un peu. Ok, si on est trop près, trop en avant, on n'entend rien, trop en arrière, il y a de la résonance. Donc le but, ça va être d'étouffer un peu les cordes pour entendre un truc un peu dans ce style. Voilà, et en gros, on va faire, si on veut compter les coups de médiateur, on va insister sur le 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et on recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ok ? Et on enchaîne les accords, donc, La mineur, Fa, Sol, Mi majeur, La, 2, 3, La, 2, 3, La, Fa, 2, 3, Fa, 2, 3, Fa, Sol, 2, 3, Sol, 2, 3, Sol, Mi, 2, 3, Mi, 2, 3, Mi, La, 2, 3, La, 2, 3, La, Fa, 2, 3, Fa, 2, 3, Fa, Sol, 2, 3, Sol, 2, 3, Sol, Mi, 2, 3, Mi, 2, 3, Mi. Ok ? Et avec le chant, j'abandonne sur une chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Voilà pour la petite démonstration de ce qu'on va travailler au niveau accord et rythmique. Alors c'est parti. Donc, le La mineur, tout le monde le connaît bien évidemment. Le Fa, alors le Fa, pour faire un Fa, normalement le Fa, on est d'accord que c'est un accord barré. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est le faire en accord ouvert. On fait un Fa normal. Vous trouverez les diagrammes un peu partout sur le net. Et on va enlever notre index ici de la corde, de la note Fa sur la corde de Mi là-haut. On va descendre notre index pour faire uniquement le Do ici, c'est-à-dire la première case, deuxième corde en partant du bas. Et on garde par contre notre forme ici de Fa majeur. Donc ici, on peut faire soit un mini barré sur les deux cordes du bas, soit on peut jouer uniquement la corde de Si, c'est-à-dire la deuxième, et toucher la corde de Mi, la première tout en bas, pour pas qu'elle sonne. Voilà. Donc là, on trouve la bonne position. Si on est trop en arrière, ça va faire ça. Et plus on monte, plus on va l'étouffer. D'accord ? Donc on a la forme de Fa ici, et le barré en bas. Et avec le pouce, je vais toucher le Mi, ici, la corde de Mi, pour qu'elle ne sonne pas. Et le but, c'est aussi d'essayer d'éviter de la jouer à la main droite, bien sûr.
Et là, du coup, on commence à jouer sur la corde de La, donc la cinquième corde en partant du bas. D'accord? Mais tout ça en faisant notre fameux palm mute ici. Et voilà notre Fa. Donc pas la peine de descendre jusqu'en bas. C'est quand on s'enflamme un petit peu ou quand après on attaquera la rythmique, effectivement on va avoir tendance à descendre. Mais pour l'instant, pour commencer, pour le couplet, on joue sur, voilà, moi je joue sur deux cordes. Et la troisième, là, de temps en temps, je la touche, quoi. Mais, Ok, donc là on est en Fa. Et le Sol, c'est tout simple, on a la forme de Fa, Do, Ré, Mi, Fa, plus deux cases, Sol. Voilà, Fa plus un ton, c'est-à-dire deux cases, Sol, avec exactement la même forme que ce qu'on avait de l'autre côté là-bas, en Fa. Ok, donc si on reprend notre La mineur, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Fa, 2, 3, 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 Fa, Sol, 2, 3, Sol, 2, 3, Sol, Sol, 2, 3, Sol, 2, 3, Sol. Et là, on va glisser sur le Mi. Alors, ce qui est intéressant dans cette position de Sol, c'est qu'on peut, alors deux possibilités, soit partir, enlever tous les doigts, en gros, de notre forme ici, et partir sur un Mi majeur, avec l'index, le majeur et l'annulaire. Soit ici, quand on est sur notre Sol, on glisse ici pour amener cette forme ici-là sur la première, deuxième case, et on aura aussi un Mi majeur, puisqu'on a un Mi majeur. Enfin, on a une forme de Mi majeur ici, on aura le Mi majeur ici, sans enlever les doigts. D'accord? Et après, libre à vous de soit redescendre sur le La mineur en gardant cette même forme, soit de changer les doigts pour reprendre une forme de La mineur. Ok? Donc si on recommence, ça va faire 3, 4, La, 2, 3, La, 2, 3, La, Fa, 2, 3, Fa, 2, 3, Fa, Sol, 2, 3, Sol, 2, 3, Sol, Mi, 2, 3, Mi, 2, 3, Mi, La, 2, 3, La, 2, 3, La, Fa, 2, 3, Fa, 2, 3, Fa, Sol, 2, 3, Sol, 2, 3, Sol, Mi, 2, 3, Mi, 2, 3, Mi. Et là, on a fait les 4 premières phrases déjà du couplet. Ensuite, on va attaquer la cinquième phrase. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. On va partir directement, au lieu de repartir, donc après notre Mi, repartir sur un La mineur, on va partir sur un Fa. Donc Fa, Sol et La mineur. Deux fois. Ok, donc sur le Fa. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Donc là, j'ai fait sur la deuxième partie. Je garderai pour moi Fa, ce que m'inspire le monde, Sol. Elle m'a dit qu'elle voulait, Sol, si je le permettais, Mi. Et après le refrain, déjeuner en paix, on commence par La mineur. Donc si je refais tout le couplet en entier, donc. J'abandonne sur une chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, je l'ai en paix. Je suis sur le La mineur pour attaquer le refrain. Ok, donc La mineur, Fa, Sol, Mi. Voilà le refrain. Déjeuner en paix. Ah, donc à la main droite, ba, 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 ba. Ce que je fais, c'est que je fais des coups vers le bas et entre les deux, je vais jouer principalement sur les cordes graves.
D'accord? Ok, ba, ba, et ba, ok. Ok, donc avec ça, eh bien vous avez tout, puisque la chanson est toujours, toujours pareille. Après, hein, on a juste couplet, refrain. À un moment de la chanson, une espèce de petit pont, un petit break, mais étant donné qu'on est sur un tuto pour débutants, on ne va pas s'en rajouter. Avec ça, on a ce qu'il faut pour bien travailler. Donc n'oubliez pas, capo 2, et c'est parti. J'abandonne sur le chat le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout cahier. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle veille. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la paix. Et voilà pour ce tuto Stéphane Echer, Déjeuner en paix. J'espère que vous pourrez vous éclater avec cette chanson. N'oubliez pas bien sûr abonnement, cloche et tout le toutim qui va avec la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut !